Ah, tiens, encore un fly que j'avais pas pris. Et donc ici. Les Pandachan vous saluent. Notre amitié est notre force. Ok. Alors faut que j'aille parler à ce marchand-là et après que je prenne le portail pour Orgris. Bienvenue. Donc on repart à Binan et ça coûte encore des pièces d'or, mais. Et merde, la quête magie de dans les tentes là c'est. Elle a rendu où? Oups. Celle-là, je sais pas où la rendre. Putain, c'était en plus les 4 que j'ai. Bah, c'est à Binan. C'est à Binan qu'il faut que je les rende. Il me semble. Parce que là, c'est quand même encore pareil, 40 000 d'XP en vrai à rendre, enfin à récupérer. C'est là que je vois le point d'interrogation jaune ici. Non. Bon, alors, il y a donc d'un premier temps lui. Vos yeux trahissent. De nombreux voyages. Ah non, non, j'avais. C'était rien Sachez-le, ça. la vie doit être C'était rien, quête. savourée. Par contre, l'autre, la dernière quête. Je suis embêté, je me souviens plus. Où je l'ai prise, où je dois l'amener. Ah, ok, bon, bah, il y a toujours ça de prix aussi. On va tenter non pas cette grange là la grange où il y avait tout le monde là. Là. Bah non, c'est pas là. Là je suis un petit peu embêté là. Merde, c'est con ça. Où est-ce que je devais rendre cette quête?
ici. Bah ça c'est fort ça. Où est-ce que j'ai été d'autre? Après je suis remonté loin là-haut, mais ça m'étonnerait que c'était là-haut. Parce que les tentes elles sont là-bas. Logiquement ça devrait être ici. Ah non, ici c'est le camp de l'Alliance. Je veux dire, ça devrait pas être loin, quoi. Je sais plus où. Bon bah tant pis, hein. Alors, tant pis, on les a tués pour rien parce que je me souviens plus. Et il m'indique pas où faut la rendre. Je suis embêté là, je m'agis dans les tentes. Et il dit, j'ai besoin que vous alliez à l'ouest. Donc ça se trouve à l'est. À l'est. J'ai la retraite machin là et j'ai éventuellement le camp de base Kotom mais. Non, donc oui, donc c'est à l'est du campement, donc non, c'est de ce côté-là. Pour moi, c'est forcément un mec dans ce camp-là qui m'a donné cette quête. Quelle sagesse recherchez-vous? Racontez-moi vos voyages. Mince. Bon, bah tant pis, J'espère que vous je peux pas trouverez rendre la cette quête. prise dans vos passions. Allez. Ouais, je repars à patte. Allez, hop. Donc ça, pareil, hein, cette quête-là, qui demande de... Hop. Et donc... Bah, on va faire cette quête-là. Changement de zone, c'est galère. Voilà. Alors, c'est de ce côté. Tout le décor a pas chargé. Bah, c'est là. Ah, c'est pas vrai. On va recharger la zone.
Allez, le jeu! Bon, excusez-moi, tiens, en plus ça... J'ai fait une toute petite coupure parce que, voilà, j'ai reçu un message important. Je vais devoir m'arrêter là. J'ai une sollicitation, on va dire ça. Donc, j'arrête de jouer, je prends la route. J'ai coupé sur un chargement pour vous en remettre un autre. Génial. Bon, c'est pas grave. Toute façon, je m'arrête là. Et puis on se retrouvera. Bon, j'ai un tout petit peu de temps. On va juste faire le trajet pour la Porte des Ténèbres. Le jeu galère vraiment par contre. Mais encore une fois, en fait, j'ai rien qui tourne derrière. Hein. Bon, c'est bon. Ouais, enfin, c'est bon, c'est vite dit. Oh, mais c'est pas possible. Ou alors Ouais, ok, oui. Après, voilà, je commence quand même à avoir un rush de 20 gigas. C'est peut-être ça aussi qui dit que le PC, il dit, ouais, ce serait peut-être temps que t'arrêtes là. Je pense que c'est le disque dur qui galère à suivre. Il y a un trop gros rush là. Il en peut plus. Bon, donc, nous sommes partis. Si Split veut bien m'afficher. C'est parti. Ok. Donc, nous voici à la Porte des Ténèbres. J'ai coupé, en fait, hein, le trajet. Voilà, entre ouais, Orgrimmar et et la porte. Donc voilà, la porte qui est devenue rouge. Voilà, donc. Par contre, je suis ennuyé. C'est plein de personnages élites niveau 90. Normalement, ça devrait aller, mais à mon avis, ils doivent taper fort quand même. Donc je vais éviter de les aggro. Et j'espère juste pouvoir. Oh non, le jeu! S'il te plaît, le jeu! Ah, c'est pas vrai. C'est le jeu a freeze. Au moment où j'ai parlé à. C'est pas normal que ça fasse ça. J'ai entendu la quête s'ouvrir. J'espère juste ne pas aggro des mobs, quoi. Non, attendez. Il y a un truc qui cloche. Je reviens. Bon, excusez-moi, je suis écœuré. Donc le jeu, il a planté. Sauf que quand il a déplanté, la cinématique s'est lancée. Donc résultat, vous avez raté la cinématique. Je vais vous la mettre là maintenant en post-production. Je vais aller la chercher sur YouTube et puis basta. Donc j'ai relancé le jeu. J'ai même redémarré entièrement mon PC parce que voilà, en espérant que ça fonctionne, mais ça n'a pas l'air d'aller mieux. Ça me saoule. J'ai jamais eu de problème sur d'autres serveurs. Et là, Firestorm, depuis qu'ils sont passés en 8.2, mais y a rien qui ne va.
Donc ça, je suis un peu saoulé. Mais bon. Et là, ça fait une demi-heure que j'essaye de lancer cet enregistrement. Voilà. Donc, eh ben, je mets en pause juste là, le temps que ça charge. Et puis, ben, là, vous avez maintenant, je coupe, vous avez normalement maintenant là, la cinématique. Notre chance, tous au portail. Bon, c'est bon, j'ai trouvé une cinématique sur YouTube, donc vous l'avez eue. Et donc nous, on va continuer là. Donc j'ai juste retraversé la porte, parce que en plus, et ben après la cinématique, non, je devais quand même retraverser la porte, vu que j'avais quitté le jeu avant la fin de la cinématique. Enfin bref, donc on a donc fini bah, cette quête, hein, la porte des ténèbres, voilà, on l'a traversée, terminé la quête. Super. Donc, et tout de suite, on doit retrouver la missive de Horde de Fer. Pourquoi j'ai une barre qui part comme ça, j'en sais rien. Donc voilà, donc en fait, il faut trouver le mob qui a la missive, sachant que voilà, on a déjà un mob qui est surligné. Réinvocation de ce cube, et puis bah, on est parti. Je vous avouerai que je commence cette session sur les nerfs. Elle est pas apparue. Elle est là, mais elle est pas visuellement là. Bon. Ah non, hein. Ah non, non, non. En plus, les autres, tu commences là. Non mais ça va pas là. Passe sous la map, c'est con. Ouais, résultat, ils peuvent pas me toucher. Mais je peux pas les looter. Mais c'est pas vrai! Ah! Je peux en looter un. Si je peux en looter un, c'est que c'est bon, je vais pouvoir looter les autres. C'est bon, j'ai la missive, hop. Mais là, si je veux, bah je fais un carnage, quoi. Ah non, il me touche quand même. Je pensais qu'il me touchait pas, mais en fait, si, il me touche. Bon, allez, hop.
Je me casse, c'est ridicule. Ils sont pas capables de me toucher parce qu'ils sont. Ils tombent sous la map, c'est n'importe quoi. Bon. D'accord, ok. J'ai même pas eu à faire terminer la quête. Bah écoutez, bah ça va être. Alors, attendez, par contre, j'ai pas testé, mais. Normalement, hein. Ouais, c'est ça. Je peux pas voler ici. C'est normal. Ça, c'est tout à fait normal. Donc, il faut que j'achète la compétence de monture au-dessus. Bon, alors. Il y a des avantages et des inconvénients à ce qui se passe ici. L'avantage, c'est que. Bon, s'il passe sous la map, en fait, je vais plutôt être tranquille. Quoi, non, mais. D'accord, maintenant ça s'ouvre. Faut l'ouvrir ce truc-là. Bon. Ils arrivent à me toucher, mais j'ai. Arnaque! Ah, mais ça, à l'origine, c'était pas prévu! Moi je pensais qu'ils n'arrivaient pas à me toucher. Bon ça va, je vais pouvoir le. Faut un drainer comme ça, mais ok, quand je suis en bas, ils peuvent quand même me toucher, même s'ils sont en dessous de la map. Ce qui est une escroquerie, hein, mais bon, c'est pas grave. Ok, et le second? Bon, c'est absurde, hein, mais bon. On n'est plus à une absurdité près, là. Ok. Cherchez Gul'dan. Si vous voulez vraiment arrêter la horde de fer. Gul'dan! Gul'dan alimente la porte! Ok. On va passer par là pour être tranquille. Ouais. Donc là, il faut faire la même chose de l'autre côté. Alors, sachant qu'il y a l'air d'y avoir moins d'ennemis, il y a peut-être même moyen de n'aggro personne. Ouais. C'est l'arche, nous utilisait comme catalyseur pour alimenter leurs portes, et ils vont le regretter. Le Conseil des Ombres vous remercie. Bon. D'accord, il considère que je suis en combat, je peux pas utiliser. Ok, je. Sais pas trop pourquoi, je gagne de l'XP alors que.
que les... Ouais, ok, d'accord. Parce que les mobs que j'ai aggro, ils se sont fait abattre par, par d'autres. Bon. Nous trouverons une solution. Ouvrez l'œil, l'ami. Restez sur vos gardes. Bon. Entrer dans la prison de Gul'dan. On va passer par la gauche, puis qu'il y a moins d'ennemis sur la gauche. Ok. Alors, Gul'dan, il est censé être là. On est censé voir Gul'dan, là. Il est pas là. Oh non, et si cette quête elle foire parce que... En plus ces quêtes-là elles sont super importantes. Non, seriously, il est censé être là, Gul'dan. Oh putain. Bon, on va péter les cristaux, on va bien voir. Bon, d'un. Et cool, j'ai pas aggro le mob. Bon, là par contre, je vais l'aggro. Je vais réinvoquer ma succube par contre. Mais c'est pas vrai! Bon, ça va, ils ont quasiment pas de points de vie visiblement. Ouais, ok, en fait, ce sont des petits mobs de merde. Bon, donc, quelques. Jusque quelques afflictions, ils sont. Et ils nous foutront la paix. Allez, hop. Donc, c'est bon. Et maintenant. D'accord, ok. Non, sérieux! Il est sous la map, là, qu'est-ce que je... Ok. C'est bon, ok, d'accord. Ne perdez pas de temps. Je sens les forces de vos armées décliner. Vous aurez tout loisir de vous morfondre plus tard. Nous nous retrouverons. Bon. Ça va, ça a été plutôt simple. Mais là, il y a des bugs de positionnement qui sont un peu chiants, quoi. C'est pas censé se produire comme ça. Par contre, on va essayer de rappeler la succube. Ouais, non, mais la succube aussi, elle est sous la map, elle est... Bon, donc là, il y a le portail vers Ashran, là. Je sais pas pourquoi ils l'ont mis là. Il y a beaucoup à apprendre en ce monde. Ouais! Ouais! Ouais, moi je veux bien. Clairement, je veux bien. Pour Azeroth. Observez et réfléchissez. Ok. Ah d'accord, ok. Ah non, mais c'est pas possible. Normalement, ils se téléportent pas. Normalement, ils se déplacent et on les suit. Faisons en sorte qu'elle ne se soit pas sacrifiée en vain. Ah si, ça y est. Alors attendez, j'ai juste... Bon, oh, ça galère, hein. Par ici. Voilà. Ouvrez l'œil, l'ami. What? Ah oui, d'accord, oui, c'est... C'était pas à l'extérieur, ok. Bon. Ok, donc là, on va commencer à voir les quêtes qu'il nous faut. Libérer les esclaves. Ok.
Il n'y a aucun honneur dans tout ceci. Bon. On va commencer par libérer les esclaves. Donc, et ensuite, on a... D'accord, par contre, on peut pas spammer les tentes. Ok, donc on met le feu au camp ennemi là, et puis on les bute, et puis on... Je dois m'approcher. Alors, la première fois que j'ai fait ces quêtes là, les ennemis m'ont tellement tapé dessus qu'ils ont pété mon stuff. Et j'ai dû faire appel à un autre joueur qui avait le métier forgeron pour pouvoir me... Pour pouvoir réparer mon stuff. Ah oui, mais maintenant on a le... D'accord, oui, c'est pour ça que maintenant on a le... On a le TP vers Acheron peut-être. C'est pour aller réparer notre stuff si jamais on... On se démolir. Ok, lui il lootait rien. Bon, ça nous fait combien, 5 sur 8 j'ai pas vu l'autre cage. Attendez, il y a... Je vais me diriger vers l'autre cage surtout. Est-ce que le reste après, on fait au fur et à mesure. Ok, elle est là-bas. Donc, il y a eux. Et ensuite... Que vous soyez, merci. Je crame tout. Et donc là, on est en train déjà de libérer les orques, en fait, qui en soi constitueront plus tard notre fief. Ça fait partie un petit peu du lore de la quête. Ok, c'est bon, on a démoli... Bon, on a tout fait. On a tout fait, donc on va rendre la quête. On va juste... Hop. Le savoir mène au pouvoir. Pour Azeroth. Observez et réfléchissez. Mmh.
chier, je perds 18 en score critique, mais il est mieux. Ouais, mais il est mieux. Enfin, il est mieux, mais je perds en score critique, et ça, ça fait, et ça, ça fait chier. Bon, niveau 96. Ce monde est très différent d'Azeroth. Ok, alors, ouais, je vérifie, mais y a personne dans le groupe qui soit forgeron ou... Non, hein, c'est ça. Ok. D'accord, ok. Ah ok, et puis je dois m'assurer que l'autre il se fasse pas buter. C'est vrai, il y avait cette quête là, mais je me souvenais pas qu'il se faisait aggro si facilement. Bon. C'est pas grave, j'ai des bandages. Si jamais il faut le... Ok, donc il faut que je prenne les devants et puis que j'aggro les ennemis avant. Mais ça va, c'est pas des ennemis trop chiants. Par contre, lui, il se battra pas à mes côtés, hein, Ariok, là. Je voulais éviter de passer par là parce que, mais bon. Hop. Bon, c'est bon, cette quête-là, elle est faite. Ok, et il y a cette question d'orbite de sang, là, donc, hop. Ok, ça fait deux. Et normalement, la troisième est en haut. On va passer par la gauche. Enfin, par la droite plutôt. Voilà, j'ai du mal avec ma droite et ma gauche depuis quelques épisodes là. Je sais pas ce qui m'arrive. Et donc, voilà la dernière. Regardez un peu qui voilà. De la viande fraîche. Je sais ce que je dois faire. Sang et honneur! Ugh!
Peut-être essayer d'aller lui filer un coup de main quand même. C'est pas vrai. Bon, ça va, il a 104 points de vie, ça. À mon avis, c'est un combat qui est censé justement durer à peu près éternellement. Ça, par contre, les mobs se repop, hein, c'est... D'accord, par contre ils sont plus là, ils sont remontés. Ah non! Attendez. Je me dirige du mauvais côté. D'accord, ok, zut, je suis désolé. Je me plante de côté. Profiter, hein. Hop. Sauf que je me suis planté encore de côté, putain, c'est pas vrai. Je suis un peu paumé là, je vous avouerai. De passer sur le côté. Non, c'est bon. Et la succube, ça y est, elle est partie dans son délire. Revenez en un seul morceau. Il y a beaucoup à apprendre en ce monde. D'accord, ok. Observez et... Ouvrez l'œil, l'ami. Il y a beaucoup à apprendre en ce monde. Ok. Oula. Sens que les flammes s'éteignent. Que se passe-t-il, Exarque ? Quelqu'un vient. Pour nous sauver, peut-être. Nous sommes libres.
Suivez-moi, chaman. Nous allons fuir en traversant les collines. Donc, ok. Qui est là? Alors, ouh, ça c'est cool ça par contre. Courez avec la meute. Commence à avoir du bon stuff là. Nous trouverons une solution. Restez sur vos gardes. Nous ne pourrons pas nous terrer éternellement ici. Suivez-moi de près. C'est cool, on suit une druide. Mais quitte à mourir, que ce soit avec honneur. Ce bourreau esclavagiste n'a aucun sens de l'honneur. Par contre, elle a l'air d'avoir un petit peu d'avance sur moi au niveau des quêtes. Vous êtes dans mon arène, étranger. Vous la quitterez en champion ou les pieds devant. Tuez cent adversaires ou mourrez en essayant. Oh oh. D'accord, ok. Ben, tuez cent adversaires, on va... Là, ça va être pas facile, là, je le sens. Bon. Ça va, le cimetière est juste à côté. Ah non, c'est optionnel ou on peut s'échapper de l'arène. Bah écoutez, hein. D'accord, ok. Comment je peux faire pour me barrer? Peut-être en mourant volontairement? Ils ont l'air d'être buggés, donc je vais... Mais par contre, sans, ça va pas être possible. Y'a aucun moyen d'ouvrir cette porte là.
Bon, sinon j'ai fait un dixième du taf. Bon, et par contre, il n'y a rien qui loot. Hein. Ouais, bah écoutez, je sens que ça va se passer comme ça. Ça va se passer à la méthode de je crève et puis je ressuscite derrière les portes. Ah d'accord, alors ça par contre c'était pas prévu. Je ressuscite à l'endroit suivant, c'est pas vrai. Et je me souviens plus de la... Non, c'est pas là. Ok, c'est là. C'était à droite en sortant de l'ange. Ok. Bon, là, j'ai perdu, évidemment, j'ai perdu un petit peu de durabilité au niveau du stuff, mais ça devrait le faire. Attendez, je vérifie un truc quand même. Oui, c'est bon. Excusez-moi. Alors, attendez. Par contre, j'ai ça qui s'est lancé. Hop, je vais le fermer. On va juste s'approcher un petit peu et... Bing. Allez. Hop, et on se tire. Sinon, je sais pas comment faire autrement pour se barrer, mais... Il doit y avoir un truc, mais... Bon. Ok, il y a un troll là, mais... Allô? Pourquoi la quête ne se déclenche-t-elle pas? Non, sérieux là, qu'est-ce qui se passe? Dis pas qu'elle est buggée cette quête. Bon, sinon comment on pouvait s'échapper? Non, pas par là visiblement. Que je peux pas sélectionner les ennemis de l'autre côté pour mais il n'y a pas moyen de d'ouvrir ces portes là. Il doit y avoir une solution, mais ah, je suis coincé. Ah d'accord, ok. Oh. Attendez, je vais lire la quête. Je ne vois qu'un moyen de sortir de ce guépier. Ça consiste à traverser cette arène.
Ouais, bah, enfin. Je crois que je vais couper, je vais me battre, je vais battre les 100 ennemis, on va voir un petit peu comment ça se goupille, mais il me semblait pas qu'il y avait besoin de, il y avait besoin de ça. Donc je vais couper le temps de battre 100 ennemis et puis voilà. En plus je vais user de stratégie pas très catholique, dirons-nous. Ça va être chaud, ça va être chaud, mais c'est faisable. Ouais, c'est faisable. En usant à fond du drain de vie, c'est faisable. Ok. Attendez, parce que le problème c'est qu'en combat là je peux pas couper l'enregistrement. Donc ouais, X-Split c'est pas comme comme Fraps où je peux appuyer sur une touche pour couper. C'est un peu chiant. Mais bon. Ah ouais, puis la mana, ouais. Bah écoutez, je suis à 20 sur 100, on se retrouve quand je suis à 100 sur 100. Ça va prendre un peu de temps.